Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment économiser notre forfait data dans l'application WhatsApp. Alors pour commencer, on va ouvrir l'application et pour l'exemple, un contact m'envoie un message contenant une vidéo. Et comme on peut le voir, même avant d'ouvrir le message, cette vidéo se télécharge automatiquement. L'avantage, c'est que l'on peut la consulter rapidement, mais l'inconvénient, c'est que si l'on a un forfait mobile avec très peu de data, celui-ci risque d'être rapidement épuisé. Heureusement, dans WhatsApp, il existe une fonctionnalité qui nous permet de combler ce genre de problème. Donc pour ce faire, il suffit de nous rendre dans le menu tout en haut à droite et d'aller dans les paramètres de l'application, de sélectionner utilisation des données et du stockage, et dans la section téléchargement automatique des médias, on peut sélectionner ceux que l'on ne souhaite pas télécharger automatiquement à partir de notre connexion mobile. Par contre, on peut les activer à partir d'une connexion Wi-Fi, et même chose en itinérance, on peut désactiver leur téléchargement automatique. Autre fonctionnalité que l'on peut modifier pour réduire notre connexion mobile, vous retournez dans les paramètres de l'application et là vous allez dans discussion, vous sélectionnez sauvegarde discussion. Vous pouvez décider alors de ne sauvegarder votre messagerie que sur votre téléphone en local et non sur Google Drive. Et si vous souhaitez quand même la conserver, vous pouvez désactiver l'option inclure les vidéos, modifier la méthode de sauvegarde pour qu'elle ne se fasse qu'en Wi-Fi et de changer la régularité de sauvegarde dans Google Drive, soit de temps en temps ou alors seulement lorsque vous appuyez sur sauvegarder, et de là vous pourrez diminuer votre consommation de data dans votre forfait mobile. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager puis à la liker, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.